Savez-vous que le crayon est comme un être humain? Pour créer la beauté, le crayon a besoin d'être guidé, aspiré par quelque chose de plus grand que lui. Il en va de même pour l'être humain. Pour que ses lignes restent belles et gracieuses, le crayon a besoin d'être aiguisé de temps à autre, revisité, remis à jour. Il en va de même pour l'être humain. Parfois, le crayon tombe par terre et se brise. Alors il pense qu'il ne sert plus à rien, qu'il est juste bon à être jeté à la poubelle. Et puis, une main le prend, lui redonne vie, et il est de nouveau prêt à créer, enrichi par son expérience. Il en va de même pour l'être humain. Il arrive que le crayon fasse des erreurs. Ce n'est pas un crayon parfait, hélas. Mais à son bout, il a une gomme qui lui permet de corriger l'erreur et de recommencer, recommencer, recommencer jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il désire. Il en va de même pour l'être humain. Un crayon peut être très beau, décoré de dessins et de pierres précieuses. Seulement, ce qui lui donne de la valeur, ce ne sont ni ses dessins ni ses pierres précieuses, mais ce qu'il a à l'intérieur de lui, son cœur de crayon. Il en va de même pour l'être humain. Un crayon laisse toujours une trace, une phrase ou un chef-d'œuvre. Il en va de même pour l'être humain. Cher être humain, je te souhaite de créer ton chef-d'œuvre qui laissera apparaître au monde entier, mais tout d'abord à toi-même, la beauté de ton cœur de crayon.